Merci. Merci. Thank you very much. Catherine, thank you so much for being with us to talk about this true modern classic. One of the truly the films of the early 21st century that will stand the test of time. I want to start at the end and ask you about the final line of the film when Anaïs says to the cops, "Don't believe me if you don't want to." And I think there's something about the defiance in that comment that this the defining question at the end of the film of Anaïs's rape is parce que Anaïs est orgueilleuse et elle a toujours dit qu'elle voulait perdre sa virginité avec quelqu'un qu'elle aimait pas. Dans le fond, son vœu a été exaucé et ça ne regarde personne. Pour moi, le viol primordial, c'est le fait que la virginité des filles appartient à la société qui en tient le compte rigoureux et exact. C'est le viol originel. À partir de là, ça donne un comportement tout à fait déviant. Et d'abord, on dit qu'une jeune fille n'est pas une jeune fille si elle n'est pas vierge, elle n'est pas une vraie jeune fille, titre de mon premier film. Et malgré tout, la virginité, pour moi, ça a été... Je ne voulais surtout pas... Elle tient beaucoup mes discours à moi, Anaïs. Hein. Je ne voulais surtout pas que, pour le garçon, mon père m'avait mis dans la tête que pour le garçon, ça n'était pas important, mais que la fille s'en souviendrait toute sa vie. Donc, du coup, je voulais me faire opérer, moi, tellement je ne voulais pas perdre ma virginité avec un garçon. Donc, et ça regarde personne, mais en quoi ça regarde les gens, l'intimité, ils n'ont rien à en savoir, c'est du viol. Moi, je trouve que toutes les filles sont violées par ça. Le fait qu'on s'intéresse au fait si elles sont vierges ou pas, qu'il y a une inquisition là-dessus, donc ça ne les regarde pas. Et puis la souffrance, on la vit tout seul. Because of Anaïs's pride, she answers the way she does, because throughout the film she says that she intends to lose her virginity to somebody she doesn't love, somehow her wish is granted, and for me the primordial rape that everybody goes through is the fact that virginity is something that is accounted for and kept count of by the surrounding social in this way, and that accounting is what leads to deviant behavior. There's this saying that a real young girl is a young girl is only a real young girl if she's a virgin. That's where the title of my first film comes from. And so in many ways, Anaïs is a mouthpiece for me. And for me, it was such a violence that anybody would have any kind of inquisition to my virginity that I wanted to get an operation so as to not have to lose it to anyone. And this is what she her last line says, and that anyway, I believe that suffering only ever happens alone. De toute façon, la fin, c'était un fait divers dans le journal qui était le fait divers de l'été 20 ans auparavant, et ce fait divers m'avait vraiment frappé parce que tout le monde le lisait et se délectait parce que le journaliste parlait de cette petite fille qui avait échappé à la tuerie parce que sans doute elle avait fait une gâterie où on utilisait des mots comme ça complètement recuit, rance pour parler dans un langage allusif mais pas brutal. Mais pour vendre du papier, pour vendre du papier journal, que cette petite fille avait fait une gâterie à l'assassin de sa sœur et de sa mère, et que du coup la violence du meurtrier s'en était trouvée en fait rassasiée, et qu'elle, c'était pour ça qu'elle avait la vie sauve, et qu'elle était à l'hôpital pour être examinée. Ça m'avait tué. Je
trouvais que c'était tellement horrible. And the end comes from an event that was all the rage in the newspaper 20 years prior to this film, but that had been very impactful for me because there was this kind of glee in the article and in the way in which everybody had been made aware of this killing, and that there was this little girl who had been spared, and the article used this very elusive language to say that she of the sort of sexual favors that she would have done the assassin of her sister and her mother to survive, and that would have somehow satiated his violence, and the end of the article, which had really which had killed me at the time, was that she was in the hospital to be examined, and this examination was more than I could bear. Et vous voyez, ça n'a pas changé. Il y a avoir en France un fait divers affreux d'une petite fille juive de 12 ans qui a été raptée comme ça par trois jeunes garçons de 13 ans, torturée et violée, et ils l'ont filmée. Et tous les journaux en boucle, c'était toutes les émissions de télévision, c'était une jeune fille de 12 ans. Ben non, à 12 ans, on est une petite fille. Et après, et c'était un acte antisémite. Et c'était parce qu'elle était juive, et c'était absolument dit. Et ensuite, il y a un homme politique très important qui ne voulait pas dire que c'était antisémite. Alors, il disait, oui, c'est encore le machisme des garçons. Ben non, ce n'était pas le machisme. Et c'était une jeune femme. Ben non, ce n'est pas parce qu'elle a été violée. À 12 ans, on est une petite fille. On n'est pas ni une jeune fille, ni une jeune femme. Point. Vous voyez, la société, elle n'a pas tant changé que ça. Society hasn't changed very much because recently in France, last week, another little girl made the papers in a sort of similar state. She's a Jewish girl who's 12 years old, who was raped by three 13-year-old boys, and the newspaper both wanted to hush the anti-Semitic aspect of it, but mostly referred to her as a young woman, and she's 12 years old and she's a little girl, and that just goes to show how little things have changed. The remark you made about the loss of virginity as sort of a solitary experience and something that one can only live alone is, I'm so curious how that relates to the relationship between Elena and Anaïs, who talk about their relationship as though they are, as though they share a body, and yet this loss of virginity is something that can only happen to one of them at a time. Mais oui, parce qu'il y a plus. Is this Et sort of drôle. A c'est drôle cette question parce que j'ai une sœur qui s'est fâchée avec moi parce que j'ai fait à ma sœur qu'elle n'a même pas vu. Et notre professeur de russe, il nous appelait comme il y avait que moi qui tentait d'apprendre le russe, il nous appelait l'âme à deux corps. Et en fait, Anaïs et Elena, c'est une âme à deux corps. Parce que des sœurs, c'est des sœurs. C'est les mêmes, mais il y a quand même une identité différente. Et un antagonisme de ce fait. Parce que plus on est semblable et on est deux, plus on est antagoniste. On s'aime et on se déteste en même temps. On voit l'autre. Tout, je veux dire, une sœur, tout ce que, je veux dire, on a un regard au laser, on voit tout, ses défaillances, le moment où personne ne s'aperçoit qu'elle est intimité. L'autre sœur le voit. C'est impitoyable, le regard des sœurs. C'est à la fois sublime, parce que c'est vraiment des sœurs, restent des sœurs toujours. Mais enfin, il y a aussi une sorte d'antagonisme mortel. This question is striking for me because my sister, I have a sister who stopped speaking to me after I made Fat Girl, and the French title is To My Sister. And she hadn't even seen it. But what's striking about the question is that our Russian teacher, because we would take Russian classes together, but I was the only one to try to learn it, really would call us a soul with
two souls with one body. And in some ways, that's what's happening also in the film between Anaïs and Elena. And there's always in the sort of sisterly relationship an antagonism to the similarity. And because of the similarity and because of how much you see the other, there's this kind of laser vision where you perceive the other better than anybody else can. Right now, I'm thinking that I kind of want to make a film about two old sisters. I want to ask you also about the mother characters, the mother of Elena and Anaïs, and also the mother of Fernando. And because I think the scene with the mother of Fernando is such a potent moment in the film, and I'm curious where that emerged from. J'ai eu envie que ce jeune Italien y ait un côté de sincérité incroyable malgré tout. Et malgré tout, il l'aime, Elena. C'est un amour d'été, certes. C'est la durée de l'amour qui n'est pas la même conception chez l'un et chez l'autre. Pour elle, c'est un amour éternel. Pour lui, c'est l'amour d'été. Mais en fait, il est amoureux. Néanmoins, il lui donne la bague de sa mère, comme Rogojine donne à Nastasia Philipovna le bijou qui ne lui appartient pas, qu'il est obligé de reprendre. C'est quand même la même idée. Et la mère vient comme une furie, Laura Betti. Et oui, Arsine Kadjian n'est pas du tout au courant que sa fille, elle n'est pas au courant que sa fille a une relation aussi proche jusqu'à donner une bague avec ce jeune Italien. Et voilà, oui, c'est l'incompréhension et l'aveuglement total des parents qui ne voient rien. It was important for me that the young Italian, and I think this, that the whole ordeal with the ring sort of speaks to his sincerity. Despite it all, there's something sincere about his love. They don't agree on the duration for him. It's a summer love for her. It's eternal. But he does give her his mother's ring, kind of like Rogojine gives to Nastasia Filipovna in Dostoevsky. He gives the ring that doesn't belong to him and that he eventually needs to return. And it's also a moment that highlights how blind the parents are to what's actually going on. Elena's mother has no idea what kind of relationship her daughter is having with the boy. It's a fascinating moment because there is this clear blindness on the part of the elders in these relationships, but there's this line from Laura Betti who says that a ring represents the men whom you manage to make understand that they should offer them to you. So there's this conversation between generations of women about what a gift from a man might mean. Oui, c'est très drôle, ça. Elle est géniale, en plus, Laura Betti, quand elle dit ça. It's very striking, because it's, what does this gesture mean to these women? Maybe there's a loss of understanding at some point. Mais c'est la même chose dans 36 fillettes, hein, où la mère dit au père qui frappe sa fille pour savoir aussi si elle est encore vierge et ce qu'elle a bien pu faire avec ce vieux. Et elle lui dit, mais toi non plus, tu n'as pas demandé la permission à tes parents. Mais c'est comme ça. Yeah, in this way, kind of like in 36 Fillettes or in the car scene when the mother is hitting her daughter to know whether she slept with the man, and she says, well, you didn't ask your parents for permission either. It's just the way it is. I want to ask you a bit about the sort of tone or the mood of the film, because it's in some ways feels contradictory that there should be moments of lightness and even humor, and that so much of the film takes place over the course of this vacation. It's summer. It's they're away from home. There's a carefree sort of summer fling energy to this environment. But at the same time, there's a sort of a darkness lurking that at the end explodes and is sort of inescapable. And I'm curious, from the perspective of I'm curious how you approached sort of balancing these extremes and finding the right medium between this sort of light summer energy with the upbeat music and the sisters giggling
and this much more, this much darker sort of gravity at the center of the film. Et comme dans la vie est comme ça finalement. Non, mais moi je ne trouve pas les équilibres. Moi je suis vraiment un entomologiste. J'observe, 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 j'absorbe, et quand j'en ai besoin après sur le tournage, je ressors, j'invente jamais rien. Donc je ressors, et puis même la scène où elles ont le fou rire. En fait, elles avaient tout le temps le fou rire. Elles riaient tout le temps, c'était pas du tout prévu, le fou rire à ce point-là. Et puis mon assistant était consterné, et c'est une chance. Personne, les acteurs n'ont jamais le fou rire tout en jouant la scène. Ils ont le fou rire et ça passe dans le bêtisier de l'année. Et moi, j'ai décidé de l'utiliser, ce fou rire. Justement, parce qu'elles se disent des vacheries et ça les fait rire. Tellement c'est méchant. Elle lui dit des choses tellement méchantes à sa sœur trop grosse que ça la fait rire parce qu'il y a une complicité. Ce fou rire est magnifique parce que ça contrebalance la méchanceté abominable de ce qu'elle dit à sa sœur. Mais j'ai utilisé, en fait. Et c'était génial. Je sais que c'était j'aurais écrit « Elles ont le fou rire » et elle lui dit des choses méchantes. Ça n'aurait pas marché. Et j'ai utilisé ce truc où je sais pas, tout le monde dit « Attention, il faut se calmer, il faut faire la scène maintenant. Le cinéma, c'est sérieux. » Non, le cinéma, c'est déjanté. Et il faut utiliser tout ce qui... La vie est folle aussi. Parce que ce fait divers, il existe. Vous croyez que c'est normal, un homme qui sort du bois avec une hache? Eh bien, ça a existé, je ne l'ai pas inventé. Après, comment je le mets en scène, par contre, pour y faire croire? Alors que vraiment, c'est même pas crédible. Pas un scénariste sérieux n'écrit ça, mais c'était dans la vie. Ça existait, alors j'estime que puisque ça existait, je peux le mettre en scène. Like in life, I don't find the balance in anything. I work as an entomologist. I observe and I absorb. I really don't invent anything in my scenarios. That scene where they start to laugh together, for example, the two little girls were laughing together all the time, and especially for this scene, they just started laughing, and my AD was very upset about it. And you know, normally a scene like this would be in the bloopers or the cutscenes, and suddenly they were laughing at how mean I was asking them to be, because their complicity was sort of went beyond that. And had I written they say mean things to each other and laugh, it wouldn't have been as great as it was. And you know, the AD was saying that cinema is serious, but to me cinema is unhinged. It's crazy the way that an axe murder is crazy. You know, how it happened, so I feel like I have the right to stage it. But no serious script writer would have gone and written something like that. Vous savez, moi, le cinéma, je trouve que ce qui me fascine tellement, c'est qu'on peut exprimer en un seul instant quelque chose et son contraire, justement. C'est ça qui rend si fascinant le cinéma. Dans 36 fillettes, je me souviens, la petite fille, je voulais absolument qu'elle pleure, qu'elle ait les larmes aux yeux, donc je l'engueulais, je lui disais, bon... Delphine, je veux que tu pleures là. Dès qu'elle s'est mise à pleurer, je l'ai engueulée. Je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu m'emmerdes à pleurer comme ça? Sois un peu orgueilleuse, ravale tes larmes. Une fille, ça pleure, ça ravale ses larmes. Il n'y a qu'une actrice qui montre ses larmes. Une vraie personne, ça, combien de fois on ne veut pas pleurer devant tout le monde? Donc, si vous voulez, il faut à la fois faire pleurer ces acteurs, puis tout d'un coup les empêcher de pleurer. Et ben, c'est la même chose quand Elena dit des vacheries, et puis en même temps, ils ont le fou rire. Moi, je trouve qu'il faut toujours distordre les sentiments, mettre deux choses antagonistes, et ça, on peut le faire qu'au cinéma. Montrer dans la même seconde une chose et son contraire, c'est du cinéma. Parce que dans la littérature que j'adore, on dit la chose qu'on veut exprimer principale et on dit « mais ». En même temps, elle ressentait ça. Au cinéma, on peut le montrer en une fraction de seconde. Et les gens le ressentent et ils comprennent donc des choses qui ne sont pas compréhensibles de l'âme humaine autrement qu'au cinéma.
en particulier si on utilise le close-up qui fait qu'on, là, on dévore le visage de l'acteur et on voit que la vie, c'est cette contradiction permanente. Ces mensonges qu'on se fait à soi-même, ces douleurs qu'on a, qu'en même temps, on ne veut pas montrer. Les bonheurs, c'est pareil, on ne veut pas non plus les montrer, finalement. C'est ça que je trouve magique dans le cinéma, c'est pour ça que j'aime tellement le cinéma. Because what I love so much about cinema is that it's the only medium where you can show something and its contradiction in the same image, kind of like an ideogram. In 36 Fillettes, for example, there's a scene where I asked the girl to cry, and she wasn't, and I was berating her for Delphine, you must cry, and as soon as she started crying, I started screaming at her, why are you crying? Like, this is too much. Only an actress would cry this much. Don't you have any pride? And I think that there's a lot of that, of having to get your actors to cry and then to stop them from it in this way. And the same goes with the laughter in the scene. It's about how you can distort the sentiment so as to produce this contradiction, which can exist, of course, also in literature that I love so much, but that has the lack of needing to be in sort of syntactical sequence. You could say something, she feels a certain way, but also she feels another, right? And there needs to be this sort of grammatical modulation, whereas in cinema it's all at the same time and people understand it in a way that they wouldn't understand or that they couldn't understand in any other medium than cinema, especially with the close-up where you see that life is a life on a face is a permanent contradiction of the denial of suffering and of happiness alike. I wonder if you could talk a bit about the sex scenes, which have been much discussed, I think, the sex scenes. Non, c'est la plus longue scène d'amour en un seul plan qu'on ait jamais faite, c'est 22 minutes. The longest sex scene in ever made, 22 minutes. Parce que, évidemment, surtout avec le garçon, c'est le problème est toujours le garçon, c'est jamais la fille pour une scène d'amour. Parce que moi, je suis une femme, ça les vexe, figurez-vous. C'est des machos quand même. Ils ne peuvent pas faire une scène d'amour. Ils sont beaucoup plus pudiques que les filles, les garçons. Et être dirigé par une femme dans une scène d'amour, il y a un refus, quoi. Il y a un refus absolu de l'acteur. Et donc, il a commencé par m'emmerder, par me dire qu'elle ne voulait pas se déshabiller, qu'elle avait appelé son agent. C'était faux, évidemment. C'était lui. Le problème, il voulait retarder la scène au moins au lendemain. Claude Brasseur m'a fait la même chose d'ailleurs. The problematic element to film the scene was the Italian actor, and it oftentimes and it always is the men who have more of a problem with being directed in an intimate scene, especially if being directed by a woman, something in them just refuses. And so he was trying to postpone it and to confuse me and to say that she had called her agent, which she hadn't. It was really him. He was doing everything he could to buy himself a day. Et donc, je me suis dit, ça va être l'enfer. Une fois que, parce que ça ne devait évidemment pas, on ne fait jamais une scène en 22 minutes. Donc, ça m'angoissait tellement que, bon, là, le premier moment, le début de la scène, bon, ils sont nus, ça, ils acceptaient. Mais bon, après, il allait falloir leur demander à nouveau. Et de rage, j'ai dit, je m'en fous, cette scène, je vais la faire en un plan. Comme ça, ils n'auront pas le temps de se rhabiller, ils feront la scène. Et donc, je l'ai totalement chorégraphiée pour pouvoir la dérouler en un plan, qu'elle pleure, qu'elle se retourne. Elle est géniale, hein, Roxane, ça a l'air de rien. Parce que c'est d'une précision millimétrée. Et l'émotion, et la douleur, et la réticence de jeune fille. Et donc, voilà, je me suis dit, je la fais comme ça. Bon, et on commence à la faire, évidemment, ce n'était pas bien. J'ai une idée, je me dis, il faut décomplexer Roxane, qui était une très très jeune actrice. Je commence à la faire énormément crier. Ça enlève tous les complexes. C'est tellement ridicule de crier. Mais très très fort, parce qu'au début c'est modeste, puis après, très 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 fort. Et ensuite, le visage devient magnifique. Les yeux sont lavés, le sang... afflue sous les joues,
les lèvres sourdes, enfin, il y a quelque chose de complètement sensuel qui arrive. Donc là, on peut commencer à tourner. Et on a tourné la scène 22 fois. La 14e prise était très bien. Très, très bien. Mais il m'avait donné tellement de soucis, puis j'ai trouvé ça tellement beau, cette scène, que j'avais envie de continuer à la tourner. J'avais du temps. J'avais 2 heures. Donc j'ai décidé que je continuais. Évidemment, c'était nul après la 14e qui était tellement bien. Et j'ai eu raison, hein. Parce qu'on a recommencé, c'était pas bon. Mon assistant me dit, mais Catherine, je me trompe ou on a déjà eu la prise magique? Je lui dis, oui, Miko, on a eu la prise magique. Mais je m'en fous, elle me plaît, cette scène. Après tout, ils m'ont donné trop de d'inquiétude. Je veux continuer à tourner. Là, c'est mon plaisir à moi. Et donc, je continue à tourner. Et à la 22e prise, 2 minutes de plus, le voilà, ce que j'appelle le poids du silence. L'autre, elle était très, très, très bien. Hein. Mais avec 2 minutes de plus, oh là là, ce qui se passe, c'est génial. Comme quoi, vous voyez, il y a quelque chose. Et je voulais m'excuser auprès de Roxane. Donc, j'arrive, j'étais derrière un rideau parce que le plateau était très petit. Et j'arrive pour dire à Roxane, bon, quand même, la féliciter, lui dire, t'as été géniale, mais bon, quand même, ça a été très dur. Ah, mais pas du tout. Je la trouve rayonnante. Et elle me dit, non, Catherine, je suis née actrice. Ce qu'elle a toujours répété. Et d'ailleurs, Roxane, elle dit, tout le monde veut lui faire dire combien je suis méchante, combien je l'ai torturée et tout. Et elle lui dit, mais elle les renvoie tous. Parce que maintenant qu'il y a la chasse aux sorcières et que peut-être que j'en serai une. Et elle dit le contraire. Elle dit, non, Catherine, elle m'a fait actrice. C'est tout. Il faut comprendre que les acteurs, quand on les torture et qu'ils arrivent à un moment où ils se transcendent, ça les met dans un état de lumineux. Ils sont, mais ça les fait naître à eux-mêmes aussi. So when we started filming the scene, it was hell. It was very difficult to get both actors, but especially the male actor, to begin. And the scene was going to be 22 minutes long, and it had been so anxiety inducing to begin it that I decided that I was just going to film it in one go. And so we had to choreograph it so that they could move through all of the sequence and the motions of the sentiments throughout. Especially for Roxane, who really has everything she does is precise to the millimeter in terms of all her twists and turns and the way she moves from the tears to the reticence to the pain to the joy to the desire. And so we do it a first time and it's really bad, and we do it a second time, and this time I understood that what she needed was to somehow be released of some self-consciousness, and so I made her scream, and so she screamed for a long time in this way where at first it was sort of a low scream, and it got louder and louder and louder, and by the end I got the face that I was trying to get from her, which is to say that her eyes were washed and her cheeks were flushed and something very sensual arrived to her mouth, and so I had the face I wanted, and then we shot the scene 22 times. The 14th time was already very, very good, but by that time they had given me so much trouble to get there that I couldn't stop, and it was my pleasure to continue going. And so my first assistant goes, haven't we already had the magical scene? And I say, yes, Nicolas, we've already had the magical scene, but they've given me too much worry now. I want to keep filming. And I was right, because in the end, in the 22nd scene, we really got the what I call the weight of silence, which is different. The scene ended up being 2 minutes longer than it had been because of this silence. And then I went up to Roxane to apologize to her for torturing her, and I found her completely radiant, saying, no, I was just born as an actress. And to this day, people try to make Roxane say how awful I'd been with her, and she won't. Because if you give actors enough of a challenge for them to transcend themselves, they become bodies of light. Oui, oui, pour devenir une grande actrice, c'est comme devenir un virtuose. On fait ses gammes, on apprend. C'est très, très dur de devenir un artiste. Au début, c'est très dur. Et après, on atteint l'éther. C'est ça, c'est pourquoi le cinéma, il ne faut pas dire qu'un metteur en scène est dur.
les acteurs, quand ils sont arrivés à faire la scène bien au-delà de ce qu'ils pensaient, ils rayonnent. C'est tout le plateau rayonne d'ailleurs. C'est un plaisir fou. Mais c'est dur, c'est dur, c'est dur pendant qu'on le fait. Il faut avoir le courage de le faire. Because that's how actors to get to the peak of the craft. It's like an athlete or a virtuoso. They have to go through the training, which is very hard to get to that ether. It's not the directors that are hard. It's to do that, which takes a lot from them. But when they succeed, when they or when they go beyond their own expectation for the scene, then they shine, and the whole set shines with them. Mais vous savez, Roxane, en France, la critique était mais abominable envers elle. Elle disait que c'était la belle et stupide, idiote. À tel point que quand on a commencé à faire la presse en Angleterre, elle a commencé à s'excuser. Elle dit « Oui, moi je sais, je suis idiote dans le film ». Et je lui dis « Mais Roxane, tu comprends pas, les Français sont stupides ». Tu es une teenager, et les anglo-saxons, ils ont la culture du teenager. T'es pas une... Voilà, t'as ton âge, c'est tout. Et je lui dis, surtout ne reste pas en France, ils te détestent parce que t'es trop belle. Et c'est comme ça qu'elle est venue à New York, elle est toute petite, elle ne parlait pas un mot d'anglais. Elle est partie avec un petit dictionnaire comme ça, et elle s'est inscrite à l'Actor Studio, toute seule, 18 ans, mais c'était une enfant. Elle avait quelque chose de... Elle avait 18 ans, mais c'était pas les 18 ans. C'était une enfant, quoi, dans sa tête. Anaïs était plus mûre qu'elle, et elle avait 12 ans. Mais Roxane avait une grande force. Elle est quand même venue toute seule à New York, connaissant personne, ne parlant pas un mot. Elle s'est inscrite à l'Actor Studio, et c'est comme ça qu'elle a... quand même fait une carrière. Moi, je l'adore, Roxane. And for Roxane, in the film in general, the French press was really, really hard on her. They would call her a beautiful idiot because they didn't understand her role, and she started to internalize the idea that she was stupid. So that when we opened the film in England, she began by apologizing for being stupid, and I stopped her and I said, no, you're a teenager. You're just as old as you are, and the Anglo-Saxons will understand that because they have a culture of the teenager that the French just don't. And I told her that she should leave France because the French hated her because she was too pretty, and so she came to New York City on her own at 18 with a little dictionary, and she joined the Actors Studio here and made a great career of it. And at 18 she was still a child. Anaïs, who's 12 in the movie, was more mature than she was already, but Roxane had the courage to come here, and then her career went off after that. I'm very sorry to say we're out of time. I could keep asking. I have bunch of more questions, but unfortunately they need to close out the theater. So thank you so much for being with us, and thank you all for joining us.